Ouais, c'est Crash, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour le niveau 11 sur la grande aventure Lego, le jeu vidéo. Donc petite information avant de commencer ce niveau, là je parle pas par-dessus ma vidéo, là je parle en direct là, dans la vidéo. Donc c'était pour vous dire que justement, les prochains niveaux, les prochaines vidéos, je ne parlerai pas, ils ne seront pas commentés. Car comme ça c'est pour vous laisser en immersion dans le gameplay. Voilà, donc voilà, petit message, juste pour vous prévenir que les prochaines vidéos ne seront pas commentées du niveau 11, celui-là, jusqu'au niveau 15. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse et puis dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo à la fin. Voilà. Allez, je vous laisse, à la prochaine, salut, salut, et à tout à l'heure pour le niveau 11. Voilà. Allez, salut, salut, ciao, ciao, bon visionnage. Il nous faut les instructions d'un caisson de base de 500 watts pour le crackaliseur. Allez, cher ami robot, nous devons trouver les instructions. Quoi? Oh, oui, il faut trouver les instructions car nous sommes des robots. C'est le conduit qui mène au Crackalyzer. Oh.
Je crois savoir comment attirer l'attention de ces robots. Où est mon pantalon? C'est mon émission préférée. Oui, à moi aussi. Affirmatif. Peut-on me dire où se trouve mon pantalon? Viens. Peux-tu perforer ce tuyau à instruction? Oui. Oh.
Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Trouve la page suivante. Je vais pas tenir longtemps avec cette voix. Super. Allez, plus qu'une. Comment faire pour atteindre cette page ? C'est impressionnant, mais je ne vais pas y arriver. Ok, laisse-moi faire. Mm.
merci. Récupère la dernière page, qu'on puisse construire ce caisson de base et sortir d'ici. Tu as l'air très énervé pour un robot. Une base de 500 watts est construite. Transportez-le jusqu'au Kragueliseur. Qui êtes-vous? Des employés, tout comme vous. Ta voix de robot n'est franchement pas convaincante. Et j'ai jamais fait le robot avant aujourd'hui, moi. Tu es un robot depuis toujours, tu le sais bien. Non, ne l'écoutez pas. Imposteur! Kultag réagit! Ils sont trop nombreux! Ma chanson préférée. C'est la mienne aussi. D'ici.
sur la passerelle dans la salle du Kraggle. Tu peux nous rapprocher? Ça marche! Et désactive le bouclier du Kraggle! J'ai une meilleure idée. On coupe les câbles de ce machin et on atterrit sur les méchants. Ça devrait les surprendre. Attends ici, je vais jeter un œil. Tu sais, je crois que cette passerelle est piégée! Ça, j'avais compris. Batman, tu peux arracher la protection de ces fixations? Sur les panneaux allumés. Je vois des capteurs sonores. Il faut que tu sois discret. Interdit de courir et de sauter. Deuxième câble est ici.
tu t'es trompé de côté avec la passerelle. Pardon. Allez, faisons tomber ce truc. Benny, t'en es où avec le bouclier? Je suis juste en train de le désactiver. Ce sera bientôt terminé. Où est mon pantalon? Téléchargement du dernier épisode. Mais d'où tu sors ça? J'ai jamais parlé d'un pantalon. Désolé. Coupons le dernier câble avant qu'il nous fasse tomber dans une fournaise. Benny, allez, désactive le bouclier. Recherche restaurant albanais. Quoi? Non! J'ai jamais parlé de ça! Je n'ai pas compris votre requête. Souhaite-moi bonne chance. Évite que je sois pris dans le souffle quand ça pètera. Benny, qu'est-ce qui se passe? Allez, arrête de te moquer de moi! Laisse-moi faire! Vas-tu me désactiver ce fichu bouclier? Désactivation du bouclier. Hein? Tiens bon, je suis à toi tout de suite. Merci. Utilise le batarang pour libérer les autres. Je peux pas me libérer! À l'aide! Est-ce qu'on pourrait m'aider? Elle gratte ses menottes! Quelqu'un pourrait m'aider! Y'a personne pour m'aider? Ces menottes me rendent triste! Ça fait mal? J'ai l'impression que oui. On en reparlera après! Ah ben non, possible, puisque t'auras été taillé en pièces. Vite, enlève-moi ces menottes! Ah!
Oh, j'ai presque envie de m'excuser pour ça, mais je le ferai pas. Non, 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 non. Allez, donnons-leur une bonne leçon. C'est moi, au fait. Ça, je ne crois pas. Tu vas voir qu'ils sont plus coriaces que tu ne le crois. Ils sont en briques Lego argentées. Super. Quelqu'un a pensé à prendre un lance-roquettes. Je pourrais utiliser les canons, mais je suis coincé. Il faut faire descendre Barbe d'Acier de là. Si je mettais la main sur un ordinateur, je pourrais pirater ces robots. Le nez dans le derrière d'un chien, par exemple. Un ordinateur ! Je m'en charge. Lâchez les armes ! Je vais gagner ! Utilise le laser du robot pour détruire la plateforme sous Barbe d'Acier. Ha ha!
fabriquer! Ah. Au prochain robot détruit, tu es viré! Va falloir que je programme une session de tir. Bande d'incompétents! Faut que je m'en occupe moi-même! En arriver là, mais vous ne me laissez pas le choix. Ah! Comme ça, tu te crois meilleur que moi. Voici le micro-manager géant. Techniquement, il devrait s'appeler manager tout court, mais je préfère ce petit nom-là. J'ai une idée, mais je vais avoir besoin de toi, Kultag. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois lancer mon bâton dans l'une des jointures sur ses bras. Vite, accroche-toi au bâton pour dévisser le bras. Ça y est. Benny, c'est le moment d'utiliser l'un de ces lasers. Il faut qu'on le fasse tomber. Batman, peux-tu utiliser ton grappin pour lui ligoter les jambes? Ouais, ou mon nom n'est pas Batman. Techniquement, il ne l'est pas. Emmett, tu dois dévisser l'ordinateur dans sa tête. Bien sûr! Non! Stop! Pose ce marteau piqueur! Accroche-toi, Emmett! C'est ce que je comptais faire!
Sasha.